Salut à tous, c'est Nissa et j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très très bien. Vu qu'aujourd'hui je lance ma chaîne YouTube, les gens. Eh oui, je lance ma chaîne YouTube. Je sais que vous en avez rien à battre, mais c'est pas grave. Moi je surkiffe, franchement là, franchement, ça me fait vraiment trop plaisir de vous partager mes gameplays et de vous partager aussi nos matchs compétitifs. Parce que, premièrement, ce que je voulais vous dire avant toute chose. C'est qu'on est une équipe compétitive, c'est que j'ai une équipe compétitive, je suis joueur compétitif depuis 2 ans maintenant, joueur Deserto. Et depuis 1 an et demi, j'ai fait ma team, donc du coup mon roster, pour pouvoir aller un peu plus loin dans Deserto et tout ça. Et franchement, ça marche bien. Donc là, je trouve que sur ce Ghost, on a des chances de faire pas mal de top et enfin, de se mettre pas mal en confiance. Donc après j'espère pouvoir faire ça. Et voilà, après franchement nous nos objectifs c'est vraiment la compétition avant tout. La compétition sur Call of Duty, n'importe quel Call of Duty c'est la compétition, même sur le prochain opus ça sera de la compétition. Mais on aime bien faire du classé comme ça pour régaler, pour faire des beaux gameplays, se mettre en confiance aussi, faire des petites KEM avant d'aller en ODC ou des trucs comme ça. Donc voilà, c'est bien aussi de se faire plaisir et moi franchement j'ai envie de vous partager. En plus franchement on a plein 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 de gameplay en réserve à chaque fois. Voilà, moi sur BO2 j'avais fait plein de trucs, j'ai franchement jamais montré. Donc je ferai une compilation aussi de Black Ops 2. Et donc voilà, franchement c'est bien aussi de se faire plaisir en classé, mais comme je vous dis avant toute chose on est des joueurs compétitifs. Bon bref, après sur ma chaîne il y aura aussi un peu de FIFA, parce que j'aime bien ça, du Ultimate Team, donc ceux qui aiment bien ça se reconnaîtront. Et donc voilà, après moi franchement, ce que je ferai aussi dans mes gameplays, ça sera pas là du commentary comme je vous parle, et que je vous raconte quelque chose. Oh là là là, je lui ai mis un sale terme le monsieur, il a rien compris. Donc je vais pas vous raconter des choses et vous dire ça, ce lit, cela. Franchement, je vais tout vous décrire. Voilà, comme là, hop, je fais le petit bac et tout, parce que je sais qu'il y a un spawn là-bas. Je fais vraiment attention. Donc, voilà, je vais vraiment vous expliquer. Et je vais le faire un peu là, à la fin de la vidéo. Je vais vraiment vous expliquer. Comment jouer, enfin comment je joue, comment ma façon de me déplacer, tout ça, je vais vraiment vous expliquer pour que vraiment vous compreniez. Et moi, ça, je surkiffe les gens qui savent le faire. Il y a des youtubeurs, même des joueurs compétitifs qui savent vraiment le faire. Du coup, tu regardes et tu te dis, mais putain, mais le gars, il a trop raison et tout. Et ça t'aide vraiment trop. Et moi, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est d'aider ceux qui me regardent, vraiment de faire plaisir à ceux qui me regardent. Franchement, j'accepte toutes les critiques, c'est le troisième point que je voulais vous dire. J'accepte vraiment toutes les critiques, toutes les reproches, toutes les remarques. Vraiment, pour pouvoir progresser dans ce domaine-là, le commentary où je décris ce que je fais. Donc voilà, j'aimerais bien avoir des conseils. N'hésitez pas, franchement, n'hésitez surtout pas. Moi, je commence, j'ai rien à à me reprocher. Je suis là pour me faire plaisir, comme je vous ai dit. Il n'y a rien d'autre, franchement. Ça fait vraiment longtemps que je veux faire ça. Et que j'ai pas trouvé la motivation nécessaire, parce que la motivation, je l'ai. Mais la motivation nécessaire, je la trouvais pas. Donc là, voilà, je me suis dit, allez hop, stop. On va tout faire pour. Et voilà, du coup, là, je suis assez content de pouvoir faire ça. Et j'espère que ça vous plaira avant tout. Hein. Franchement, j'espère que ça vous plaira, que ce sera pas. Enfin, avant tout, que ce sera pas juste pour moi. Mais, même si c'est juste pour moi, ça me fait plaisir, je tiens à le rappeler avant tout. Donc, regardez, là, je sais pas à combien je suis. Je crois que je suis à 15-0. Regardez les vestes balistiques où ils sont. C'est impressionnant. Je sais pas qui c'est qui les a mis là, si c'est toi, Carnage. Je sais pas. Mais c'est juste imprenable. Regardez où ils sont. Franchement, bon, en 15-0, encore, t'as pas l'impression comme si t'étais en 22 ou en 21, 23. Mais c'est quand même 15-0. Tu vas pas aller en haut, risquer, tu sais, pour une veste balistique, genre te prendre une balle de scope ou quoi. Surtout que sur cette map, ça scope souvent sur le toit. Genre, t'es là, tu montes pour prendre ta veste balistique, bam, une balle de scope. Mais en plus, franchement, hein, je vous le dis, hein, ça me l'a fait, mais souvent ça. Vraiment, moi, je suis le plus gros poisson que vous puissiez connaître sur Call of Duty, que vous puissiez connaître maintenant que vous m'avez vu, que vous m'avez entendu. C'est, franchement, sur Call of Duty, c'est moi le plus gros poisson. Hein. Ne vous inquiétez pas.
Dites-vous que vous, y a pire que vous, c'est moi, voilà. Ah non, mais je vous jure. Donc du coup, voilà, les vases balistiques, ils étaient perchés et tout. Et là, j'en entendais en bas, je me disais, mais attends, mais où il est? Et regardez, on entendait, on voyait le chien et tout. Oh là là, je me disais, mais non, pas un chien. En plus, un chien, c'est le truc, genre voilà, t'es en série, il peut te croquer de nulle part. Genre, voilà, comme là, je cours, il peut venir derrière moi et me croquer. C'est tout à fait possible. Genre, ça me l'a fait, mais des centaines de fois, les gars. À 22-0, 23-0, un Klebs qui vient et qui te bouffe, t'as juste envie de lui envoyer une tarniole dans la tête, le truc. T'as envie de péter un plomb. Donc voilà, là, attends, je sais pas, je suis à combien? Ouais, 17-0, regardez le spawn. Je suis juste derrière. Il y en a deux là, un là. Je tue lui, je me dis, allez hop, c'est bon, je vais faire le choix, je tue lui. J'ai plus de balles. Lui, heureusement que ça a été un gland, je fail un peu mon shoot, mais c'est pas grave, je le tue. Donc là, tout va bien. Je suis à combien? 20. Voilà, 20. Donc là, je me dis, vas-y, je fais quoi? S'ils ont le C, c'est bien, mais là, vu que notre allié, il a pris le C, je me retrouve dans la merde. Je me dis, faut que ça spawn encore ici, il faut que ça spawn. Là, ça spawnait encore ici. Je me dis, putain, encore un ou deux ici qui spawn ici, c'est bon. Comme ça, au moins, j'ai pas à refaire encore un tour de map et tout. Et là, du coup, je me dis, allez hop, je vais en chercher et tout ça. Là, j'en vois un là, je me dis, allez hop, 23-0, vas-y, on va chercher le dernier kill et tout ça. Là, je crois que je mets un peu de temps pour faire le dernier kill. Mais c'est pas grave, je vais vous laisser regarder ça tranquillement. Et j'espère que ça vous aura plu, avant tout. Et voilà, comme je vous ai dit, franchement, j'accepte toutes les critiques. Tout ce que vous pouvez dire, ça pourrait me porter conseil. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et ciao, ciao, les gars! Let's have a game with Happy.